Salut à tous, c'est Makonyor Minou. On se retrouve enfin sur le fan game de Neo Makonyor Minou. Alors, je vous explique un petit peu ce qui s'est passé. Premièrement, si vous vous souvenez, on était bloqué ici là. Ici, il y avait un petit escalier qui bloquait. Donc j'ai renvoyé un petit peu le jeu à Neo, qui a été très très rapide et qui m'a corrigé le bug très rapidement, et encore merci à lui. Par contre, j'ai eu un deuxième souci, c'est que pendant une semaine, mais vraiment une semaine, je devenais fou, mais vraiment. J'étais dingue. J'ai mon connard de voisin qui s'était mis à jouer les... je sais pas quoi. Il s'est mis avec des perceuses, des scies, des marteaux. Et le truc, c'est que dans mon appartement, les murs, c'est du papier à cigarette. Mais vraiment, je devenais dingue. Du coup, j'ai enregistré plusieurs épisodes en me disant « Ça va, aujourd'hui, il a pas sorti la perceuse. Il tapait juste avec son marteau. » Je me suis dit « On entendra peut-être pas grand-chose, quoi. » Et au final, la bande-son était dégueulasse. Mais franchement, j'aurais pu essayer de vous l'envoyer comme ça, mais c'était vraiment... vraiment honteux. Donc il a fallu que je recherche une vieille sauvegarde pour en revenir là où j'en étais au dernier épisode publié, afin d'être un petit peu raccord. Voilà, j'ai perdu plusieurs heures de jeu, on va dire, parce qu'il n'y a pas que sur ça que j'ai eu des petits problèmes, plusieurs heures de jeu pour rien. Donc, on se retrouve enfin sur Pokémon Makonyor Minou. On va faire comme si c'était rien passé. Là, mon voisin, il a l'air d'être mort parce qu'il n'y a plus aucun bruit. Donc, je vais savourer ce silence et tourner mes petits épisodes. Bon, du coup, je vais pas faire le mec hyper étonné de ce qui va m'arriver dans ces, on va dire, deux prochains épisodes. Et donc, c'est parti. Alors, au niveau des Pokémon, on en était où? On a Chouchou en premier, ok. Alors ça, normalement, c'est Neo qui nous fait un petit message. Yo, c'est Neo. Juste pour te dire qu'en fait, même en ayant changé, l'escalier bloquait. Mais bon, il l'a supprimé et c'est cool. Merci à toi, Neo, t'es un champion. Sinon, voici le Kadabra. Super. Donc il l'a testé, super. Bon jeu. Alors là-haut, on a la petite Minette. Alors, je me souviens quand j'ai tourné l'épisode, je papotais, je racontais ma life comme d'hab, je racontais de la merde. Du coup... Eh ben, je m'en foutais un petit peu du combat, enfin, j'étais pas hyper concentré, et je me suis fait vraiment laminer une fois, donc, on va essayer d'y aller tranquillou. Je sais même plus qui c'est qu'elle a en premier. On va laisser Chouchou, ou alors on met Stark, parce qu'on s'en fout de Stark. On va mettre Stark. Parce que je vais le remplacer par Kadabra, de toute façon. Hop. Voilà. Oh, c'est toi, j'ai progressé, faisons un combat, c'est parti. Alors j'avais parlé de tellement de trucs dans la vidéo que je saurais même plus par quoi commencer, je saurais même plus exactement ce que j'ai dit. Donc j'espère que ça me reviendra en tournant, sinon au pire, hein, c'est pas grave, c'est pas bien intéressant. Primplouf, ok, donc on est pas trop mal. Enfin, on n'était pas trop mal si on avait laissé notre petit chouchou. est-ce qu'on tente quelque chose quand même? Ça vaut pas le coup, on va mettre chouchou. Je vais pas mettre... pourquoi je voulais pas mettre Nala? Pourquoi je voulais pas mettre Nala? Je sais pas, on va mettre Chouchou, on va assurer le coup. Il a la vampigraine. Un point on tentera le toxique. Et puis on brouillera. Alors je suis quand même au-dessus en termes de niveau, mais elle est quand même costaud. Elle est quand même vraiment costaud. Où je tente directement, on va faire du Foilian. Alors j'aurais pu vous dire, sûrement, dans les épisodes tournés, que j'ai reçu un super mail d'Amazon qui me disait que j'allais recevoir quelques jours en avance Pokémon Soleil et Lune, je l'avais précommandé. Alors je pense que vous êtes beaucoup, vous êtes nombreux à être dans mon cas. Donc voilà, super cool, j'ai vraiment hâte, là ça se joue dans... Oh putain ouais, dans... c'est quoi? Je crois qu'on m'a dit le... Le 17 ou le 19, je sais plus. Donc j'ai hâte. A savoir que je ne sais pas vraiment si je vais pouvoir... Alors vous voyez, je parle, j'ai pas regardé ce qu'elle envoyait. Je crois que c'est Lixi. Est-ce qu'on envoie notre tampon Stark? On va aller le tampon Stark. C'était Philali. Ok. Bon, bah, j'ai même pas envoyé parce que je me trompe de touche tout le temps. C'était aussi mon erreur dans les autres épisodes. Je me trompe de touche. Donc je disais, ouais, je sais pas si j'arriverai vraiment à vous proposer un let's play sur Pokémon Soleil et Lune, puisque je n'arrive pas à avoir la qualité. J'ai fait des essais avec ma DS, ma 3DS,
pourquoi Flamèche ça n'a pas marché. J'ai fait des sacs ma 3DS et même en ayant investi, j'ai acheté un nouveau micro que je n'ai toujours pas là. Il faut que j'aille le chercher, il est arrivé. Un Blue Yeti pour ceux qui connaissent. Donc il devrait quand même améliorer considérablement le son de mes vidéos. Et ne pas avoir les soucis que j'ai eu et qui m'obligent à retourner ces épisodes. Et j'ai commandé aussi de quoi filmer. Mais en fait, voilà, donc je fais des essais là, ça fait facilement 2 semaines que j'arrête pas de... Tous les jours je fais des petits essais pour essayer de capturer la vidéo correctement. Et en fait ça rend pas... J'arrive pas. Donc je fais des essais, au pire si j'y arrive pas, bah j'ai envie de dire, je peux pas non plus vous proposer trop de la merde. Alors là je crois qu'elle m'a envoyé Lixi. On va faire en sorte que c'est Lixi. Je sais pas. Moi, avec ma mémoire de poule, je suis pas avantagé. J'envoie Stark comme ça, je m'en fous. À la Kazam. Eh ben, j'ai bien fait de pas envoyer. J'ai même pas de... Si, j'ai peut-être un petit peu de ténèbres. On va essayer de lui faire un petit peu mal quand même. Ouais. De toute façon, ouais, en plus, il est hyper rapide, lui, c'est ça le truc. Ah, ça lui fait quand même mal. Qu'est-ce que je disais? Voilà, putain, mais je suis vraiment... ouais, donc je parlais de Pokémon. Ouais, donc le Let's Play, à mon avis, ça sera un petit peu mort. Un petit peu beaucoup mort. Donc, j'hésite. Parce que voilà, je pourrais vous dire, je filme quand même, et puis tant pis. Mais le problème, c'est que... Ça me déprimerait. Je m'en fous, voilà. Si vous voulez mettre des dislikes, vous mettez des dislikes, des pouces rouges, ce que vous voulez. Mais... Voilà, moi, je pense que ça me démotiverait de publier une vidéo et de voir qu'il y a des tas de rageux, qui, voilà, des mecs qui tombent. Parce que du coup, je vais balancer le jeu vachement plus tôt que la sortie officielle. Donc, il y a forcément des gens qui vont venir voir cette vidéo extérieure à ma chaîne, par les propositions YouTube, etc. Et voilà, c'est des mecs qui vont tomber, ils vont se dire, c'est quoi ce bordel? Il y a des mecs qui nous font des trucs hyper propres, ça, c'est de la merde. Donc, ils vont mettre des dislikes, ils vont se désabonner, ça va me faire une mauvaise image. Voilà, j'ai pas envie d'avoir une mauvaise image. Hein. Vous voyez, là, ça fait quand même quelques temps que ma chaîne, elle stagne. J'ai pas vu qui l'envoyait. Que ma chaîne, elle stagne. Voilà, je suis à 250, je tourne dans les 250. Ça évolue pas trop. Après, voilà, ça correspond aussi au fait que je ne poste pas énormément de vidéos. Je suis pas trop présent sur la chaîne. J'ai lancé la page Facebook, c'est pareil, j'ai pas énormément de temps pour m'en occuper. Donc voilà, je pense que c'est normal que ça monte pas. Mais c'est vrai que voilà, on va dire que si je prends un par jour, deux par jour, que le lendemain je vais en reperdre un, le lendemain je vais en reprendre deux, puis je vais en reperdre deux le lendemain. Donc voilà, ça stagne un peu comme ça. Et à chaque fois que je perds des abonnés, ça me fait chier. Vraiment, ça me fait un petit pincement au cœur. Je me dis pourquoi il reste pas, pourquoi. Donc voilà, j'ai pas forcément envie de faire ça. Ou alors. Je fais pas un let's play, j'essaye de faire de filmer quelques images et puis de... Je sais pas comment faire. Si vous avez des idées, n'hésitez pas à me dire en commentaire. Si vous avez des petites techniques pour caler la DS et puis pour pouvoir filmer. Parce que j'en ai essayé des techniques, hein, la boîte à chaussures, j'ai tout essayé je crois. Mais je les espère pas, j'y crois. Peut-être que j'arriverai quand même à faire quelque chose. Le souci en fait c'est que... Putain, dommage que j'ai pas eu Vive Attack. Le souci que j'ai, principalement, c'est sur le focus. À chaque fois, par exemple, je sors d'un bâtiment, ou que je... Oui, que je sors d'un bâtiment, ou que je change d'un menu à un autre, ça refait un focus, ça devient hyper flashy, c'est illisible, ça fait tout flou, et c'est vraiment nul. Vraiment. Pourquoi j'ai mis Kaki Puce, moi? Bah oui, forcément. Forcément. J'en fais des conneries, c'est honteux. Donc voilà, en commentaire, balancez-moi vos idées, vos suggestions. Je suis vraiment là à court de... Je suis vraiment à court d'idées. Et voilà, est-ce que ça serait vraiment dérangeant si je vous proposais pas Soleil et Lune? Je sais pas. Ou est-ce que je fais juste un ou deux ou trois vidéos? Ou voilà, je filme un petit peu. Parce que je me suis surtout pas spoilé, j'ai pas fait la démo. Quitte à perdre quelques bonus, hein. Le Sachanobi, le truc comme ça. J'ai pas regardé de vidéo, j'ai rien regardé, rien du tout. Je pourrais même pas vous citer les Pokémon qu'il y a en dehors de ceux qui ont été balancés par le Kokoro.
Donc voilà, moi je vais vraiment me faire dépuceler quand je recevrai le jeu. Donc voilà, moi je sais que ça va me faire plaisir. Mais ça va me faire chier si la vidéo que je filme, elle est pourrie. Regardez, là j'ai tourné Maconnor Minou. J'ai fait 2 épisodes et quand j'ai voulu les monter, voilà, le son était pourri. Qui dit son pourri dit vidéo de merde. Qui dit vidéo de merde dit pas content. Et qui dit pas content dit triste. Donc j'étais très triste. Ce que je vais faire, je vais faire des cuts, là je vais aller me soigner. Donc je vous dis à tout de suite. Re à tous, donc ça y est, j'ai été me soigner, j'en ai profité, j'ai été chercher Kadabra. Je vais vous le présenter, il est où la petite touche Pokémon? Hop. Kadabra, résumé. Il est malin de nature, Minou c'est moi, super. Bon, c'est une femelle. Bon, remarque, on voit un petit peu ses yeux, ça fait un petit peu des yeux de femelle. attention, empêche la peur. Ouais, c'est pas trop mal. Télékinésie, choc mental, entrave, œil miracle. C'est pas trop mal non plus. Il est pas supra-cheaté, mais il est pas mal. Moi, j'aime bien. Hop. Ici, on a un petit membre de la team hack. Et bah, c'est parti, on y va. Toi, tu m'as mal regardé, wesh. Un combat est lancé par sbire de la team hack, Thierry. Salut, Thierry. Ratatak. Karabaf. Ok. La petite Kakipus. On va lui faire. C'est pas nul. C'est nul en fait. J'ai envie de mettre pas Chopper. On va mettre ma Chopper. Je pensais qu'il était en premier. Eh, il est prêt de changer de niveau là. Oh, pourquoi tout ça? Je vais voir si j'ai du soin. Je crois qu'il me reste des super potions. Nidorino, on va mettre Vulcain. Ouais, Nidorino, je le trouve. Enfin, Nidorino, enfin, toute la famille, je les trouve hyper classe. Mais Nidorino, le sprite là est vraiment cool. Vraiment cool. Et dans l'autre vidéo, je me souviens, ça me revient, dans l'épisode que j'avais tourné, je faisais une référence en fait aux formes Alola et. Je disais que ce serait cool qu'ils aient des formes, ils seraient trop stylés, je trouve. Enfin, s'ils nous font pas un truc à la noix de coco ou à la grotte de morve, ou à la persian. Un ruinage de jeunesse, si on peut dire. Ah, pour l'instant, je me trompe pas de touche, c'est pas trop mal. Bon, ce serait cool que je chope Fatal Foudre sous peu. Comme ça, on sera vraiment au calme. D'accord, gré. Bon, là, je vais aller vite fait parce qu'en fait, il faut une clé. Le petit téléporteur, là, en fait, c'est un passage où il nous faut la clé. Je vais pas faire ce qu'il connaît pas, hein, puisque la clé, je sais où elle est. Je vais aller me soigner. Mais non, j'irai même me soigner en off. Voilà. Moi, je vais vous laisser ici. Là, on a fait déjà, c'était pas trop mal, on s'est un peu remémoré le jeu où on en était. J'espère, là, je vais arrêter de tourner. Avant de retourner un nouvel épisode, je vais m'assurer que le son soit correct. Et sinon, j'en retourne dans la foulée. Dans le prochain épisode, on va voir un petit peu à choper la clé de la team hack. Et voir un petit peu, surtout, comment avancer dans le jeu. Donc voilà, c'était un plaisir de rejouer à ce jeu. C'était Maconnor Minou. Bye bye!